Bonjour. Bonjour l'ancêtre. Nous voici réunis pour votre émission sur les fossiles, sur la paléontologie, sur l'évolution depuis ses origines jusqu'à nos jours. Avant de vous dévoiler le sujet d'aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Ma question, elle est très simple. Qui a bien pu réaliser les gravures et les dessins que vous voyez ici? Vous l'avez deviné, ce sont nos ancêtres préhistoriques. Mais plus particulièrement nos ancêtres préhistoriques qui habitaient dans la grotte de Nio il y a à peu près 13 000 ans. 13 000 ans, c'est une notion qui n'est pas facile à appréhender. Et ce que je vous propose, c'est d'imaginer que notre Terre s'est formée le 1er janvier et que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, il est minuit. Entre ces deux dates, il y a 4,6 milliards d'années. Chaque jour représente 12 millions d'années. À cette échelle, que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple. La vie est apparue le 28 mars sous forme de petites bactéries, des animaux microscopiques qu'on élimine à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont les premiers vertébrés, des poissons extrêmement primitifs qui apparaissent. Entre le 12 et le 25 décembre, ce sont les dinosaures qui dominent notre globe. À cette échelle, Léonard de Vinci a peint la Joconde il y a seulement 3 secondes. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre à Nio, il y a environ 13 000 ans, c'est-à-dire à notre échelle, il n'y a même pas 2 minutes. Je suis ici devant le porche d'entrée de la caverne de Nio. Cette caverne elle a une histoire un petit peu singulière. Tout d'abord, c'est le préhistorien ariégeois Félix Garrigou qui en 1861 note sur ses carnets il y a des dessins sur les murs, qu'est-ce que cela peut bien être? Mais à cette époque, on ne connaît pas encore l'art préhistorique. Et ce n'est qu'en 1906 que le commandant Mollard, qui est ici avec son fils, va redécouvrir ces dessins. Immédiatement, il prévient Garrigou. Garrigou appelle Émile Cartaillac, le grand préhistorien de l'époque. Et Cartaillac vient ici, dans la caverne de Nio, pour identifier les dessins. Les gens continuent à travailler et dans les années 1970, les spéléologues découvrent un nouveau réseau qu'on appelait le réseau clastre dans cette grotte de Nio. Dès le départ, ce qui est important, c'est le salon noir. Dans le salon noir, il y a tout un tas de peintures. Et effectivement, on peut se poser la même question que Félix Garrigou. Sur les parois, il y a des peintures, mais qu'est-ce que cela peut bien être? Que nous voyons dans la grotte de Nio, étaient ce qu'on appelle des Magdaléniens. Alors, c'est nous qui leur donnons un nom, on ne sait pas du tout, ils s'appelaient d'une façon tout à fait différente, de façon certaine. Et ils avaient des modes de vie qu'on connaît très bien à travers leurs restes de repas et les habitats. C'était des chasseurs-collecteurs, des gens qui pratiquaient la grande chasse. Ils chassaient le bison, le bouquetin, le renne, des animaux qui sont représentés dans l'art préhistorique. Et la grotte de Nio était située dans un massif où il y a deux grottes, en fait. Il y a celle de Nio, il y a une autre qu'on appelle la Petite Caugne, qui était l'entrée d'une autre grotte qu'on appelle le réseau clastre, et où également ont été trouvées des peintures. Et quand ils habitaient dans la grotte de la Vache, ils étaient juste en face, ils avaient ces deux entrées qu'ils voyaient tous les jours. C'était sans doute la montagne des esprits, la montagne des puissances, celle où se trouvaient ces peintures mystérieuses qui étaient l'objet de rites. La grotte de Nio, elle est là-haut. La grotte de la Vache, elle est là. Allez, on y va. Voilà, on s'enfonce un peu plus profondément dans la grotte de la Vache. Les Magdaléniens vivaient ici environ 10 à 12 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, le sol était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Le sol était environ 2 à 3 mètres en dessous du niveau sur lequel je me trouve.
Ce sol étant plus bas, bien évidemment, la lumière pénétrait davantage dans la grotte. D'ailleurs, il faut savoir qu'au début des fouilles, le correspondant local de la dépêche pouvait lire son journal tout à fait au fond, là-bas, à côté des fouilleurs. Le choix d'habiter dans une grotte, de toute façon, ce n'est pas un choix gratuit. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur d'une grotte, il fait beaucoup plus chaud. Aujourd'hui, il fait 13 degrés à l'intérieur de la grotte. Dehors, il gèle. On va d'ailleurs aller voir comment vivaient les Magdaléniens, tout à fait dans le fond de la grotte. Les Magdaléniens, ils vivaient ici pendant l'hiver, à peu près du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Monsieur Gaillis, qu'est-ce qu'ils chassaient comme animaux, ces hommes-là? Une faune essentiellement pyrénéenne et montagnarde. Des bouquetins, la chèvre de montagne, des isards à profusion, également aux périodes de réchauffement un peu de cerf, mais il y a aussi un animal migrateur, c'est le renne. À la période de la migration des rennes, ils venaient ici, les chasseurs. Alors nous trouvons également beaucoup d'oiseaux, en particulier le lagopède. Et nous avons donc retrouvé tous ces vestiges, car ces gens, n'oublions jamais, n'ont jamais fait le ménage. Donc on a retrouvé ici dedans, dans la salmonique, tout ce qu'ils ont pu perdre, jeter, casser, manger, brûler, que sais-je, tout a été retrouvé. Une fouille extraordinaire, longue, mais très riche, car on peut dire sans crainte de se tromper que cette grotte est une des grottes magdaléniennes les plus riches d'Europe occidentale. Ces magdaléniens, ils vivaient à la vache, ils peignaient agneau. Comment est-ce qu'on peut savoir cela? On sait que les hommes qui ont dessiné dans la grotte de Nio il y a 13 000 ans habitaient dans la grotte de la vache. En effet, les analyses de peinture sur les pièces ornées de la vache comme sur les parois de la grotte de Nio montrent que c'est exactement la même recette qui était employée dans ces deux sites. Les pigments qu'ils utilisaient se retrouvent encore aujourd'hui dans la nature. Aujourd'hui, la récolte a été bonne. On a du noir, de l'oxyde de manganèse. Ici, on le voit bien, une roche ocrée, rouge, de l'oxyde de fer. Nous allons maintenant fabriquer cette peinture. Nous allons briser un bloc de bioxyde de manganèse. Nous allons additionner du talc. Pour terminer, nous allons procéder à l'addition de graisse animale pour la fluidité. Et voilà une belle peinture préhistorique. Oh. Pour visiter la grotte de Nio, en fait, c'est pas difficile. Comme dans toutes les grottes, il faut suivre la guide. Mais à quoi ça va nous servir, ça? Eh bien, il n'y a pas du tout de lumière dans la grotte. Donc, nous devons donner des lampes à nos visiteurs. D'accord. Vous voulez bien nous suivre? On y va. Si je veux venir visiter la grotte de Nio, dimanche, ça se passe comment? Vous nous appelez par téléphone au 05 61 05 80 37 pour réserver vos places. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de personnes limité? Oui, la fréquentation de la grotte est contingentée et c'est un maximum de 20 personnes par jour, de 20 personnes par visite que nous pouvons accueillir. Et comment ça se passe, une visite? Elle en marche longtemps? Environ 800 mètres pour atteindre le salon noir. Et les peintures, elles sont où? Pour l'essentiel au salon noir, il n'y a que quelques signes dans les galeries d'accès. On va voir? On y va. Mais au fait, que représentait-il sur ces parois?
il y a eu des choix dans les représentations des animaux. Ils ne représentaient pas le paysage animalier autour d'eux. C'est pas du tout une photographie de la faune de l'époque. Les animaux le plus souvent représentés sont les bisons, et puis sont les chevaux, et puis sont les bouquetins. Donc c'est tout à fait différent de ceux qui chassaient en réalité, que les artistes chassaient ou les gens de leur groupe chassaient dans la vie courante. Et il y a très très peu finalement d'espèces différentes représentées. Il y a également quelques orques, il y a quelques cerfs, il y a quelques poissons, et c'est tout. Alors qu'ils auraient pu représenter des animaux comme le loup, comme le renard, comme le renne, et tous les insectes, les serpents et autres, les oiseaux, qui n'ont pas été représentés dans la grotte de Niou. Et ça, il faut penser que ce n'était pas parce que une illustration de la faune et du milieu. Ce n'était pas pour raconter une histoire, c'est que ces animaux étaient vraisemblablement des animaux esprits. Ils étaient choisis, non pas parce qu'ils étaient bons à manger ou faciles ou difficiles à chasser, mais parce qu'on leur avait accordé un certain statut qui était un statut spirituel. Ils faisaient partie d'une certaine façon de leur panthéon, de leur monde spirituel, de leur monde religieux. C'est le bison. Ce bison, il est souvent représenté avec des signes en forme de flèche dessus. Mais ça serait trop facile de penser, comme le disait l'abbé Breuil, que c'était un simple envoûtement. On dessinait un animal, on mettait une flèche dessus, on tuait beaucoup de bisons lors de la chasse prochaine. Puisque ça ne colle pas du tout. Puisque les gens qui ont fait ces dessins, ils chassaient pas du tout, ils chassaient pas les bisons. Dans ce coin-là, de l'Ariège, ils chassaient le bouquetin. Donc cette hypothèse est en contradiction avec des faits établis. Par contre, le bison, peut-on penser, avait une importance dans les rites de la tribu, dans la force qu'il représentait. C'était un bison esprit plutôt que la représentation d'un bison particulier qu'on allait tuer lors de la chasse prochaine. On arrive ici en fait vers un des premiers signes de la grotte de Niou. Ce signe, il est assez diffus, il n'est pas facile à voir, mais quand même, on arrive à le trouver. Regardez ici. Il s'agit de 5 petits points rouges, vous voyez, alignés les uns à côté des autres. Le point noir dessous, ça compte pas. Ça, c'est tout simplement la trace d'une lampe, une lampe à acétylène. Le problème, c'est bien sûr d'interpréter cette image. Est-ce que c'est, par exemple, un signe de repère? Est-ce que c'est une manière de s'approprier la grotte? Tout ça, on n'en sait rien. Imaginez, pensez à quelque chose, à une image que nous, on véhicule depuis 2000 ans. Vous voyez de quoi je parle? Regardez. C'est très simple. Regardez ça. Vous voyez un homme accroché sur une croix, bras écartés, crucifié. Est-ce que c'est avec cette blessure au flanc qu'on peut déduire qu'il s'agit d'une scène de chasse? On n'en sait rien. Cette image, si on n'a pas le code référentiel de la culture qui l'a proposée, eh ben on est incapable de la comprendre. Je suis sûr que les peuples mélanésiens sont incapables de comprendre ça s'ils n'ont pas été évangélisés. Donc le problème, c'est qu'il faut toujours rester extrêmement vigilant quand on interprète des images et qu'on ne connaît pas le système de référence auquel elles font appel. Enfin, bon, ça n'empêche pas de faire des hypothèses, hein. Un beau matin, Jean-Claude est venu me voir à la réserve de bisons d'Europe de la Margeride que j'ai créée. Et il avait en main un paquet de documents énormes avec des peintures rupestres sur papier et des gravures sur papier. Il m'a dit, vous qui êtes spécialiste du bison d'Europe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, vous avez le panneau présent. Il y a, bien entendu, dans ces figures des détails.
des choses très importantes qui me font dire que ce sont essentiellement des femelles, des mâles, des jeunes, des vieux, et qu'ils ont une attitude comportementale très intéressante. Celle-ci semble représenter une femelle. Par contre, celui du dessus pourrait bien être un jeune mâle. Ici, la queue est détachée de l'arrière-train. On voit qu'il y a un espace. Pour l'autre peinture là-haut, la queue est serrée. Donc chez la femelle, effectivement, la queue est beaucoup plus détachée. Les cornes sont démesurées. Elles ne sont pas du tout dans le bon sens. Ensuite, elles sont beaucoup trop longues et beaucoup trop fines. La peinture ici représente une femelle avec son jeune. Et ce qui est important, c'est le détail du ventre ici qui est bien coupé, comme si la femelle venait de porter et de mettre bas ce jeune qu'elle semble flairer. Le fléchage sur la poitrine, il est très important parce que le cuir du bison mesure à peu près 1 cm d'épaisseur, sauf à un seul endroit, ici. Ici, il fait à peu près la moitié, 5 mm, et c'est l'endroit du cœur. C'est l'endroit où une flèche ou une sagaie peut effectivement pénétrer et tuer l'animal. Donc il ne fallait pas rater son coup, semble-t-il, et la flèche est très très bien positionnée, mieux que celle-ci, qui pourrait être, du reste, une erreur. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces deux bisons, avec ce couple, c'est que les Magdaléniens ont peint le bas de l'animal en noir, comme si celui-ci sortait d'un marécage. Et effectivement, en matière de chasse, il est beaucoup plus intéressant de coincer un bison dans un marécage, il devient alors handicapé et pouvoir le tuer plus facilement. Alors, quelle est l'espèce des bisons représentés derrière moi? Est-ce le bison d'Europe tel qu'il vit actuellement en Pologne? Pour moi, il n'y a pas de différence. Ou est-ce le bison priscus qui correspondrait aux ossements que l'on a découverts, qui correspond à cette époque-là? Là aussi, la morphologie actuelle ne correspond pas au bison priscus. Alors il y a un grand point d'interrogation à poser à ces peintures et à l'espèce de bison concernée. Toi, François, tu as essayé de refaire une lampe paléolithique, hein? Oui, puisque je cherchais à travailler sur les itinéraires des Magdaléniens, enfin des hommes préhistoriques dans les grottes. Donc j'ai refait une lampe en partant du modèle de la lampe, d'un modèle qui était trouvé dans la grotte de Lascaux. Et bon, je n'ai pas cherché à travailler sur les carburants, j'ai cherché à travailler sur l'éclairage et comment on pouvait se servir d'une lampe dans les galeries ou pour éclairer une paroi. On va le sortir un peu. Attention à tes doigts. Et alors, comment ça marche, ça? Eh bien, alors, il suffit de mettre un carburant, une huile ou une graisse quelconque, avec une mèche. Plus on met de mèche, plus on a de puissance, mais plus on consomme, plus on voit clair, mais moins on va loin, puisqu'on consomme beaucoup plus. Écoute, maintenant que ça a l'air de marcher, on va couper les lumières. Allez. Et puis on essaie de voir ce que ça donne. Ah ben tu vois, dans les galeries étroites, c'est merveilleux. Et puis alors, dans les grandes salles, on est obligé de suivre une paroi. Et on peut progresser comme ça le long d'une paroi? On peut progresser, mais obligatoirement, le long d'une paroi. Alors tu vois, là, on est dans une galerie là qu'on éclaire parfaitement. Pour marcher, il faut naturellement tenir la lampe un peu plus bas. Mm-hmm. Hein? Ça éclaire pas mal. Hein? Ça éclaire très bien. Et puis alors, avec cette qualité d'éclairage, tu fais parfaitement sortir tous les volumes de la paroi, tous les volumes naturels. C'est spectaculaire. Ils allaient loin comme ça, avec des éclairages comme ça? Ah ben ici, à Nio, ils ont été à près de 2 km de l'entrée. Quand on pense à ces gens qui allaient dans les grottes profondes, il faut essayer de se mettre un peu dans leur peau. C'est évidemment impossible pour des gens du XXe siècle de le faire totalement. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ne pensaient pas comme nous. Aller dans une grotte, c'est aller dans le monde des esprits. C'est le monde de l'au-delà. Voilà ce qu'ils avaient en tête quand ils allaient dans une grotte comme Daniel. C'est pour ça qu'ils n'habitaient pas dans les grottes profondes, d'ailleurs.
Et si on considère les peintures dans cette optique-là, il y a beaucoup de choses qui deviennent beaucoup plus claires. Par exemple, quand on visite une grotte, nous, actuellement, on a des lampes électriques, mais eux, ils n'avaient pas ça. Ils avaient des lampes à graisse, ils avaient des torches qui jettent des lueurs vacillantes sur les parois de la grotte. Et à ce moment-là, la paroi devient vivante. On voit toutes sortes d'animaux, surtout si vous avez conscience d'être le monde des esprits. Et c'est ainsi que ces gens se sont servis des contours naturels. Ils ont complété une forme de bison sur la roche. Ils ont vu à l'endroit, il y a un trou, ils ont pensé que c'était une tête de cerf. Ils ont fait les andouiller de part et d'autre, et le cerf était là. Ils l'ont aidé à sortir de la paroi. Mais en faisant ça, ils entrent en contact avec lui. Ils entrent en contact direct avec les puissances de l'au-delà, les puissances qu'on pourrait dire au-delà de la paroi, mais qui sont presque déjà dans ce monde-là. Et ça, un mot, c'est le chamanisme. Ça s'explique dans le cadre de pratiques chamaniques, c'est-à-dire où le chaman est l'intermédiaire entre le monde où on est et le monde des esprits. C'est le rôle du chaman, entrer en contact avec le monde des esprits. Et il le fait dans un but aussi très précis, qui est celui de rendre service aux gens de sa communauté, pour guérir des malades, pour favoriser la chasse, pour toutes sortes de raisons, qui sont des raisons pratiques. Donc la grotte avait un double rôle. Elle avait le rôle de monde des esprits, où on allait pour dessiner, entrer en contact avec eux par le biais de dessins, les faire vivre, et où on y allait également pour avoir des visions, et à ce moment-là, on voyage directement dans l'autre monde. Je suis ici dans le fac-similé du Salon Noir de Niou. Ce fac-similé, en fait, c'est une reconstitution, grandeur nature, du Salon Noir. Si vous observez les animaux ici dans le fac-similé, et si vous allez à Niou, voir les vrais, vous verrez qu'il y a des différences dans les peintures. Pourquoi? C'est tout simplement parce que pour reconstituer ce facsimilé, on observait les animaux dans le véritable nion avec de la lumière ultraviolette. Et cette lumière ultraviolette, elle a fait apparaître des traits qu'on ne voit plus à l'œil, des traits qui ont disparu. Mais ces traits, on les a utilisés ici dans le facsimilé. Et comme ça, on les voit tels qu'ont pu les voir les Magdaléniens. Si vous voulez voir ce facsimilé, il faut venir ici, à Tarascon, dans le parc préhistorique de l'Ariège. Avant de nous quitter, je vous propose quelques ouvrages. Tout d'abord, bien évidemment, l'ouvrage sur la caverne de Niou que Jean-Claude a publié aux éditions du Seuil. Jean-Claude, vous l'avez entendu, il a une théorie particulière pour expliquer les œuvres pariétales. Pour lui, il s'agit de chamanisme. C'est la théorie qu'il développe dans un ouvrage intitulé « Les chamans de la préhistoire » qu'il vient de publier avec David Lewis Williams, toujours aux éditions du Seuil. Les peintures de Niou, ce sont des peintures rupestres, mais des peintures rupestres, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et dans un superbe ouvrage, Emmanuel Anati nous propose de découvrir un petit peu ces 40 000 ans d'art tribal. Cet ouvrage est publié par les éditions Larousse. Enfin, vous vous souvenez, au début du sujet, je vous ai parlé de l'histoire particulière de la découverte de la grotte de Niou. Si vous vous intéressez à l'histoire de la préhistoire, Marcel Julien vient de publier le roman de l'homme chez Albin Michel, et dans ce roman, il raconte toute la genèse, l'histoire des découvertes qui font que maintenant, on peut vous parler de préhistoire. Allez, moi je vous laisse. Au revoir. Al.
mention d'un bison particulier qu'on allait tuer lors de la chasse prochaine. On arrive ici, en fait, vers un des premiers signes de la grotte de Nyon, ce signe. Il est assez diffus, il n'est pas facile à voir, mais quand même, on arrive à le trouver, regardez ici. Il s'agit de 5 petits points rouges, vous voyez, alignés les uns à côté des autres. Le point noir dessous, ça compte pas. Ça, c'est tout simplement la trace d'une lampe, une lampe à acétylène. Le problème, c'est bien sûr d'interpréter cette image. Est-ce que c'est, par exemple, un signe de repère? Est-ce que c'est une manière de s'approprier la grotte? Tout ça, on n'en sait rien. Imaginez, pensez à quelque chose, à une image que nous, on véhicule depuis 2000 ans. Vous voyez de quoi je parle? Regardez. C'est très simple. Regardez ça. Vous voyez un homme accroché sur une croix, bras écartés, crucifié. Est-ce que c'est avec cette blessure au flanc qu'on peut déduire qu'il s'agit d'une scène de chasse? On n'en sait rien. Cette image, si on n'a pas le code référentiel de la culture qui l'a proposée, eh bien on est incapable de la comprendre. Je suis sûr que les peuples mélanésiens sont incapables de comprendre ça s'ils n'ont pas été évangélisés. Donc le problème, c'est qu'il faut toujours rester extrêmement vigilant quand on interprète des images et qu'on ne connaît pas le système de référence auquel elles font appel. Enfin, bon, ça n'empêche pas de faire des hypothèses, hein. Un beau matin, Jean-Claude est venu me voir à la réserve de bisons d'Europe de la Margeride que j'ai créée. Et il avait en main un paquet de documents énormes avec des peintures rupestres sur papier et des gravures sur papier. Il m'a dit, vous qui êtes spécialiste du bison d'Europe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, vous avez le panneau présent. Il y a, bien entendu, dans ces figures, des détails, des choses très importantes qui me font dire que ce sont essentiellement des femelles, des mâles, des jeunes, des vieux, et qu'ils ont une attitude comportementale très intéressante. Celle-ci semble représenter une femelle. Par contre, celui du dessus pourrait bien être un jeune mâle. Ici, la queue est détachée de l'arrière-train. On voit qu'il y a un espace. Pour l'autre peinture là-haut, la queue est serrée. Donc chez la femelle, effectivement, la queue est beaucoup plus détachée. Les cornes sont démesurées. Elles ne sont pas du tout dans le bon sens. Ensuite, elles sont beaucoup trop longues et beaucoup trop fines. La peinture ici représente une femelle avec son jeune. Et ce qui est important, c'est le détail du ventre ici qui est bien coupé, comme si la femelle venait de porter et de mettre bas ce jeune qu'elle semble flairer. Le fléchage sur la poitrine. Il est très important parce que le cuir du bison... Bonjour. Bonjour l'ancêtre. Nous voici réunis pour votre émission sur les fossiles, sur la paléontologie, sur l'évolution depuis ses origines jusqu'à nos jours. Avant de vous dévoiler le sujet d'aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Ma question, elle est très simple. Qui a bien pu réaliser les gravures et les dessins que vous voyez ici? Vous l'avez deviné, ce sont nos ancêtres préhistoriques. Mais plus particulièrement nos ancêtres préhistoriques qui habitaient dans la grotte de Nyon il y a à peu près 13 000 ans. 13 000 ans, c'est une notion qui n'est pas facile à appréhender. Et ce que je vous propose, c'est d'imaginer que notre Terre s'est formée le 1er janvier et que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, il est minuit. Entre ces deux dates, il y a 4,6 milliards d'années. Chaque jour représente 12 millions d'années. À cette échelle, que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple. La vie est apparue le 28 mars. Sous forme de petites bactéries, des animaux microscopiques qu'on élimine à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont les premiers vertébrés des poissons extrêmement primitifs qui apparaissent. Entre le 12 et le 25 décembre, ce sont les dinosaures qui dominent notre globe. À cette échelle, Léonard de Vinci a peint la Joconde il y a seulement 3 secondes. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre à Nyon, il y a environ 13 000 ans, c'est-à-dire à notre échelle, il n'y a même pas 2 minutes. Je suis ici devant le porche d'entrée de la caverne de Nyon. Cette caverne elle a une histoire un petit peu singulière. Tout d'abord, c'est le préhistorien ariégeois Félix Garrigou qui en 1861 note sur ses carnets il y a des dessins sur les murs, qu'est-ce que cela peut bien être? Mais à cette époque, on ne connaît pas encore l'art préhistorique. Et ce n'est qu'en 1906 que le commandant Mollard, qui est ici avec son fils,
va redécouvrir ses dessins. Immédiatement, il prévient Garrigou. Garrigou appelle Émile Cartaillac, le grand préhistorien de l'époque. Et Cartaillac vient ici, dans la caverne de Nyon, pour identifier les dessins. Les gens continuent à travailler et dans les années 1970, les spéléologues découvrent un nouveau réseau qu'on appelait le réseau clastre dans cette grotte de Nyon. Dès le départ, ce qui est important, c'est le salon noir. Dans le salon noir, il y a tout un tas de peintures. Et effectivement, on peut se poser la même question que Félix Garrigou. Sur les parois, il y a des peintures, mais qu'est-ce que cela peut bien être ? Que c'est exactement la même recette qui était employée dans ces deux sites. Les pigments qu'ils utilisaient se retrouvent encore aujourd'hui dans la nature. Aujourd'hui, la récolte a été bonne. On a du noir, de l'oxyde de manganèse. Ici, on le voit bien, une roche ocré rouge de l'oxyde de fer. Nous allons maintenant fabriquer cette peinture. Nous allons briser un bloc de bioxyde de manganèse. Nous allons additionner du talc. Terminé, nous allons procéder à l'addition de graisse animale pour la fluidité. Et voilà une belle peinture préhistorique. Oh. Pour visiter la grotte de Nyon, en fait, c'est pas difficile. Comme dans toutes les grottes, il faut suivre la guide. Mais à quoi ça va nous servir, ça ? Bien, il n'y a pas du tout de lumière dans la grotte, donc nous devons donner des lampes à nos visiteurs. D'accord. Vous voulez bien me suivre ? On y va. Si je veux venir visiter la grotte de Nyon, dimanche, ça se passe comment ? Vous nous appelez par téléphone au 05 61 05 88 37 pour réserver vos places. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre de personnes limité ? Oui, la fréquentation de la grotte est contingentée et c'est un maximum de 20 personnes par jour, de 20 personnes par visite que nous pouvons accueillir. Et comment ça se passe, une visite ? Elle en marche longtemps ? Environ 800 mètres pour atteindre le salon noir. Et les peintures, elles sont où ? Pour l'essentiel au salon noir, il n'y a que quelques signes dans les galeries d'accès. On va voir ? On y va. Mais au fait, que représentait-il sur ces parois ? Il y a eu des choix dans les représentations des animaux. Ils ne représentaient pas le paysage animalier autour d'eux. C'est pas du tout. Alors, vous avez le panneau présent. Il y a, bien entendu, dans ces figures, des détails. Des choses très importantes qui me font dire que ce sont essentiellement des femelles, des mâles, des jeunes, des vieux, et qu'ils ont une attitude comportementale très intéressante. Celle-ci semble représenter une femelle. Par contre, celui du dessus pourrait bien être un jeune mâle. Ici, la queue est détachée de l'arrière-train. On voit qu'il y a un espace. Pour l'autre peinture là-haut, la queue est serrée. Donc chez la femelle, effectivement, la queue est beaucoup plus détachée. Les cornes sont démesurées. Elles ne sont pas du tout dans le bon sens. Ensuite, elles sont beaucoup trop longues et beaucoup trop fines. La peinture ici représente une femelle avec son jeune. Et ce qui est important, c'est le détail du ventre ici qui est bien coupé, comme si la femelle venait de porter et de mettre bas
ce jeune qu'elle semble flairer. Le fléchage sur la poitrine. Il est très important parce que le cuir du bison mesure à peu près 1 cm d'épaisseur, sauf à un seul endroit, ici. Ici, il fait à peu près la moitié, 5 mm. Et c'est l'endroit du cœur. C'est l'endroit où une flèche ou une sagaie peut effectivement pénétrer et tuer l'animal. Donc il ne fallait pas rater son coup, semble-t-il, et la flèche est très très bien positionnée, mieux que celle-ci, qui pourrait être, du reste, une erreur. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces deux bisons, avec ce couple, c'est que les Magdaléniens ont peint le bas de l'animal en noir, comme si celui-ci sortait d'un marécage. Et effectivement, en matière de chasse, il est beaucoup plus intéressant de coincer un bison dans un marécage, il devient alors handicapé, et pouvoir le tuer plus facilement. Alors, quelle est l'espèce des bisons représentés derrière moi? Est-ce le bison d'Europe tel qu'il vit actuellement en Pologne? Pour moi, il n'y a pas de différence. Ou est-ce le bison priscus qui correspondrait aux ossements que l'on a découverts, qui correspond à cette époque-là? Là aussi, la morphologie actuelle ne correspond pas au bison priscus. Alors il y a un grand point d'interrogation à poser à ces peintures et à l'espèce de bison concerné. Toi, François, tu as essayé de refaire une lampe paléolithique, hein? Oui, puisque je cherchais à travailler sur les itinéraires des Magdaléniens, enfin des hommes préhistoriques dans les grottes. Donc j'ai refait une lampe en partant du modèle de la lampe, d'un modèle qui était trouvé dans la grotte de Lascaux. Et je n'ai pas cherché à travailler sur les carburants, j'ai cherché à travailler sur l'éclairage. Des signes en forme de flèche dessus. Mais ça serait trop facile de penser, comme le disait l'abbé Breuil, que c'était un simple envoûtement, on dessinait un animal, on mettait une flèche dessus, on tuait beaucoup de bisons lors de la chasse prochaine. Puisque ça ne collait pas du tout, puisque les gens qui ont fait ces dessins, ils chassaient pas du tout, ils chassaient pas les bisons. Dans ce coin-là, de l'Ariège, ils chassaient le bouquetin. Donc cette hypothèse est en contradiction avec des faits établis. Par contre, le bison, peut-on penser, avait une importance dans les rites de la tribu, dans la force qu'il représentait. C'était un bison esprit plutôt que la représentation d'un bison particulier qu'on allait tuer lors de la chasse prochaine. On arrive ici, en fait, vers un des premiers signes de la grotte de Nyon, ce signe. Il est assez diffus, il n'est pas facile à voir, mais quand même... On arrive à le trouver, regardez ici. Il s'agit de 5 petits points rouges, vous voyez, alignés les uns à côté des autres. Le point noir dessous, ça compte pas. Ça, c'est tout simplement la trace d'une lampe, une lampe à acétylène. Le problème, c'est bien sûr d'interpréter cette image. Est-ce que c'est, par exemple, un signe de repère? Est-ce que c'est une manière de s'approprier la grotte? Tout ça, on n'en sait rien. Imaginez, pensez à quelque chose, à une image que nous, on véhicule depuis 2000 ans. Vous voyez de quoi je parle? Regardez. C'est très simple. Regardez ça. Vous voyez un homme accroché sur une croix, bras écartés, crucifié. Est-ce que c'est avec cette blessure au flanc qu'on peut déduire qu'il s'agit d'une scène de chasse? On n'en sait rien. Cette image, si on n'a pas le code référentiel de la culture qui l'a proposée, eh ben on est incapable de la comprendre. Je suis sûr que les peuples mélanésiens sont incapables de comprendre ça s'ils n'ont pas été évangélisés. Donc le problème, c'est qu'il faut toujours rester extrêmement vigilant quand on interprète des images et qu'on ne connaît pas le système de référence auquel elles font appel. Enfin, bon, ça n'empêche pas de faire des hypothèses, hein. Un beau matin, Jean-Claude est venu me voir à la réserve de bisons d'Europe de la Margeride que j'ai créée. Et il avait en main un paquet de documents énormes avec des peintures rupestres sur papier et des gravures sur papier. Il m'a dit, vous qui êtes spécialiste du bison d'Europe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, vous avez le panneau présent. Il y a, bien entendu, dans ces figures, des détails, des choses très importantes qui me font dire que ce sont essentiellement des femelles, des mâles, des jeunes, des vieux, et qu'ils ont une attitude comportementale très intéressante. Celle-ci semble représenter une femelle.
Par contre, fléchage sur la poitrine, il est très important parce que le cuir du bison mesure à peu près 1 cm d'épaisseur, sauf à un seul endroit, ici. Ici, il fait à peu près la moitié, 5 mm. Et c'est l'endroit du cœur. C'est l'endroit où une flèche ou une sagaie peut effectivement pénétrer et tuer l'animal. Donc il ne fallait pas rater son coup, semble-t-il, et la flèche est très très bien positionnée, mieux que celle-ci, qui pourrait être, du reste, une erreur. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces deux bisons, avec ce couple, c'est que les Magdaléniens ont peint le bas de l'animal en noir, comme si celui-ci sortait d'un marécage. Et effectivement, en matière de chasse, il est beaucoup plus intéressant de coincer un bison dans un marécage, il devient alors handicapé, et pouvoir le tuer plus facilement. Alors, quelle est l'espèce des bisons représentés derrière moi? Est-ce le bison d'Europe tel qu'il vit actuellement en Pologne? Pour moi, il n'y a pas de différence. Ou est-ce le bison priscus qui correspondrait aux ossements que l'on a découverts, qui correspond à cette époque-là? Là aussi, la morphologie actuelle ne correspond pas au bison priscus. Alors il y a un grand point d'interrogation à poser à ces peintures et à l'espèce de bison concerné. Toi, François, tu as essayé de refaire une lampe paléolithique? Oui, puisque je cherchais à travailler sur les itinéraires des Magdaléniens, enfin des hommes préhistoriques dans les grottes. Donc j'ai refait une lampe en partant du modèle de la lampe, d'un modèle qui était trouvé dans la grotte de Lascaux. Et bon, je n'ai pas cherché à travailler sur les carburants, j'ai cherché à travailler sur l'éclairage et comment on pouvait se servir d'une lampe dans les galeries ou pour éclairer une paroi. On va le sortir un peu. Attention à tes doigts. Et alors, comment ça marche, ça? Parce que eh bien, alors, il suffit de mettre un carburant, une huile ou une graisse quelconque, avec une mèche. Plus on met de mèche, plus on a de puissance, mais plus on consomme, plus on voit clair, mais moins on va loin, puisqu'on consomme beaucoup plus. Écoute, maintenant que ça a l'air de marcher, on va couper les lumières. Allez. Et puis on essaie de voir ce que ça donne. Ah ben tu vois, dans les galeries étroites, c'est merveilleux. Et puis alors, dans les grandes salles, on est obligé de suivre une paroi. Et on peut progresser comme ça le long d'une paroi? On peut progresser, mais obligatoirement, le long d'une paroi. Alors tu vois, là, on est dans une galerie là, qu'on éclaire parfaitement. C'est vrai, comme pour marcher, il faut naturellement tenir la lampe un peu plus bas. Mm-hmm. Hein? Ça éclaire pas mal. Hein? Ça éclaire très bien. Et puis alors, avec cette...